des congrès pour voir la préparation du Tour de France 2022. Alors, on va commencer la journée avec la présentation du Tour féminin, qui a comme directrice Marion Rousse. Et on va suivre avec une présentation du Tour de France masculin avec le président Christian Prudhomme. Et pour terminer cette magnifique journée, on va visiter Paris. Alors nous allons filmer toute notre journée pour vous faire découvrir notre quotidien. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Et on remercie énormément Fabrice Diano, Bernard Béraud, le président des Trois Jours, et le Tour de France, et puis l'organisation ASSO pour les invitations. Bonne vidéo. Salut. Voici au Palais des Congrès pour la présentation du Tour. Donc, quelles sont tes sensations pour découvrir ce nouveau circuit du Tour de France 2022 ? Bah, c'est toujours un moment assez palpitant, assez excitant de voir où on va poser les roues l'année prochaine. Surtout qu'il y a souvent des étapes qui sont proches de nos régions, donc c'est toujours intéressant. On a hâte de connaître le parcours en détail. D'accord, bah, merci beaucoup. J'étais au championnat du monde à Levain, alors ok c'est en Belgique, mais le Danemark n'était pas très loin, il y avait énormément de Danois sur les bords de route, il y avait 1 million de spectateurs, c'était quelque chose d'énorme. C'est la première fois que je voyais une course comme ça de l'extérieur, d'habitude c'était soit sur le vélo, soit derrière la télé, et il y a une vraie ferveur, et je pense que en Belgique, au Danemark et dans le Nord, enfin, dans toute la France d'ailleurs, c'est tout le temps le cas, ça va être quelque chose de super. Merci. Merci Yoann. Pour qui ? Bah pour qui c'est compliqué de donner désormais des favoris parce que l'histoire a montré que parfois les coureurs se répètent, ça veut dire qu'on a des coureurs qui ont gagné 5 Tours de France. Est-ce que Tadej Pogacar est un de ces coureurs-là? On ne sait pas. Il y a toujours les dernières questions de Julien Alaphilippe, puisque c'est un Tour de France qui est montagneux certes, mais tous les Tours de France sont montagneux. Il y a énormément de potentiel, mais c'est ce qu'il faudra éviter surtout, c'est les chutes, parce que la première semaine du Tour de France va être certainement très très compliquée avec les bordures, avec les pavés, avec énormément de pression. On sait que le Tour de France c'est la course la plus regardée, Christian Prudhomme l'a rappelé encore, c'est diffusé dans tous les pays du monde, il y a énormément de pression et c'est ce qu'en fait la plus belle course. Vous paraît plus difficile que les autres années ou... J'ai l'impression que tous les ans on dit que c'est un tour encore plus difficile. Et quand on est coureur, c'est vrai que quand on regarde son roadbook, on ouvre, on dit ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et finalement, presque à chaque jour suffit sa peine. Et c'est les coureurs qui font la course. Ça veut dire que s'il n'y a aucune ambition de la part des coureurs de monter des bordures qui peuvent permettre à un peloton d'exploser, et ben il n'y a pas de bordure. C'est vraiment les coureurs qui font la course. Mais effectivement, c'est encore un tour qui dure quand même. Je préfère être derrière ma télé. Et ce parcours du Tour de France femme, alors il est aussi assez costaud, non ? Alors il est assez costaud. Pour une première, je trouve ça très très bien. Le fait qu'il se déroule effectivement, quand on a l'image du Tour de France, on visualise un Tour de France qui fait le Tour de la France. Bien évidemment, c'est compliqué, surtout sur 10 étapes, mais c'est un tour où il y a un condensé de choses. Il y a de la montagne, il va y avoir du punch, il va y avoir des sprints, et ça va être une très belle première expérience, je pense. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Benoît, alors comment tu vas depuis ta chute ? Ça va, je suis encore assez raide, mais je récupère nuit après nuit et ça va de mieux en mieux. D'accord, et comment tu trouves le nouveau circuit du Tour de France 2022 ? Bon, c'est un parcours qui est inspirant avec pas mal de changements de rythme et des parcours où il y en aura pour tout le monde, donc c'est vraiment un beau parcours qui nous est proposé encore cette année. Ouais. D'accord, bah merci pour tes réponses. Bonjour, alors ça fait combien de temps que vous êtes sur le Tour de France pour l'organisation ? Alors je travaille en tant que speaker sur le Tour de France depuis 2014. D'accord, et sur le circuit,
Vous en pensez quoi? Alors, c'est un parcours 2022 très attractif. Je pense qu'il y a des moments extrêmement piégeux dans la première semaine et demie, on va dire. Il va falloir faire très attention. On pourrait assister à des bouleversements certains sur des étapes. On pense forcément à l'étape des pavés, avec le souvenir des étapes des pavés précédemment. Je pense à 2014 en particulier, qui a été très, très mise en avant à l'occasion de cette présentation du parcours. On se souvient que c'est là où Vincenzo Nibali avait façonné sa victoire. Il avait été accompagné par son super lieutenant de l'époque, Jacob Fulsang, qui depuis évidemment a pris un essor conséquent. Mais une étape des pavés, c'est toujours assez imprévisible. On se souvient que Christopher Froome a été contraint à l'abandon aussi à l'occasion de l'étape des pavés en 2014. Il avait chuté, mais avant les secteurs pavés, mais c'était à l'occasion de la cinquième étape entre Ypres et Arambert-Port-du-Hainaut, qui figure au programme du Tour de France 2022 également. On a hâte de voir comment ça va s'agencer, en échangeant quelque peu en coulisses avec Tadej Pogacar, Mark Cavendish, etc. J'ai pris un peu la température. Tadej, il disait, ça va être très très dur, il va falloir être très méfiant, particulièrement la première semaine et demie. Et Mark Cavendish disait, il y a un petit peu moins de chance pour les sprinteurs cette année, mais enfin l'année prochaine, mais qu'il en soit ainsi. Il disait, d'accord. Donc celui qui a gagné 34 victoires d'étape, recordman à égalité avec Eddy Merckx, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour Guillaume, alors que penses-tu du circuit du Tour de France 2022? C'est un parcours qui me plaît, voilà, il y aura évidemment des pièges au début, mais je suis plutôt excité à l'idée de devoir affronter le vent aux Pays-Bas, les pavés dans le nord, puis ensuite beaucoup de montagnes, et ça me plaît. Ouais. D'accord, et comment s'était passé le dernier tour de France? C'était un tour particulier avec... voilà, on a vu le départ, les chutes, et j'ai pas été épargné non plus. J'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça, et finalement j'ai réussi à rentrer dans le jeu avec une échappée et à faire le général alors que je venais plutôt pour viser une étape. Donc, tour paradoxal, mais qui m'a plutôt réussi au bout du compte. Merci beaucoup pour ta réponse.
Et voilà cette journée qui s'est terminée. On a pu interviewer beaucoup de coureurs avec Marc Chavez en plus. Et avec lui, on a pu monter sur le podium, sur la scène de la présentation du Tour de France. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut. Merci, salut. Nous voilà arrivés avec la montagne du Roule juste au fond. Donc on a passé une magnifique journée. Et puis maintenant...